good talk. This is so, you know, this is so much more. This is so much more important than when you are just intelligent. Yeah, I know. Because just intelligent is nothing. Yeah. Really. You have to do something with your intelligence. What the hell is this? It's so funny because there is rotten quality donation needed, and you're looking into it. We got that. Il est quelle heure là? Ok. Moritz. Yeah. I asked yesterday for the motorcycle license, you know? And a French guy replied to me, you know, with your license, your German one, you can drive like scooters 50cc, you know. Bon, je vais devoir me garer là bientôt. J'étais juste en train de me dire que, enfin, je vis vraiment une vie délirante, quoi. Parce que là, je suis en train de déménager des caisses, enfin des baraques, et je conduis un camion à 3 tonnes. Je suis en Australie. Enfin, c'est complètement délirant, quoi, par rapport à ce que j'aurais pu penser faire. Yeah. You just park behind this blue car. Yeah. Behind. So just make a U-turn. Yeah, okay. And park behind. Yeah, got it. Enfin voilà, délirant quoi. Ten minutes. Tu vois à quoi ça ressemble une pause de déménageur. We really look like homeless. Normalement, on est censé s'habituer à la chaleur, tu sais, quand tu bouges dans un endroit où même l'été, tu sais, les premiers jours en été, c'est un peu l'horreur. Mais après, tu t'y fais. Mais à Melbourne, le truc, c'est que la température varie, mais d'un jour à l'autre, c'est le jour et la nuit, quoi. Je crois qu'il y a deux jours, il faisait, je sais plus moi, 19 degrés, et là, il en fait 40, donc c'est hyper, hyper dur pour moi de s'adapter. C'est pour ça que je transpire comme un porc, là. Bon, ici c'est St Kilda Beach, c'est la baie de Melbourne en fait. Donc la ville est par là-bas et t'as une baie qui rejoint l'océan mais un peu plus par là-bas. Et là je suis sur un ponton avec des gosses qui sautent dans l'eau depuis les barrières. Les bars. Tu vois là, il y a Nico qui m'a envoyé un message juste à l'instant et il est hyper vénère parce que il y a un Allemand avec qui il a bossé dans la boîte où on travaille de déménagement, tu sais, qui s'est fait virer hier parce que en fait, apparemment pendant les fêtes de Noël, ils lui ont pas donné de job. Et quand il les a rappelés, au bout de deux semaines, ils lui ont dit qu'il ferait mieux de trouver un autre job et tout. Et Nico, il aime pas trop le patron. Moi, je l'aime bien, mais Nico, il aime pas trop. Je lui dis, écoute, tu sais, ça arrive, ça m'est arrivé à moi aussi, c'est pas la fin du monde. Et bon, mais s'ils l'ont viré, c'est qu'il s'est forcément passé quelque chose. Et je lui ai dit, mais Nico, sois pas aussi émotif ou ça va te tuer, tu vois. Ça sert à rien de lutter. Prends ça comme une leçon et dis-toi que justement, il faudrait que tu le remercies, ce mec que t'aimes pas, ce patron, parce que c'est le genre de mec que toi, tu seras jamais. Je sais que c'est dur, parce que moi aussi, ça m'est arrivé d'être énervé contre des patrons. Et c'est vrai que sur le moment, t'as juste envie de les buter et de buter tous les gens qui sont de la même espèce, tu vois. Et faire que le monde soit meilleur en virant tous ces gens-là, mais tu peux juste pas. Et le seul truc qu'on peut faire, c'est ce que je lui ai dit, c'est ça vaut pas la peine. Prends son argent, prends son expérience et chie sur tout le reste. Parce que c'est la seule chose que tu peux faire. Je sais que c'est dur, mais c'est... Ouais,
c'est pas juste pour le mec qui s'est fait virer, mais bon, ça m'est arrivé à moi aussi, tu te souviens, j'avais bossé pendant 2 jours pour une boîte de déménagement, ils m'ont viré. C'est pas juste parce que j'avais fait du bon boulot, j'avais vraiment travaillé d'arrache-pied, ils m'ont viré. Mais ça arrive et c'est beaucoup, en fait c'est beaucoup plus formateur que de rester avec la même boîte. Quand tu te fais virer, t'apprends beaucoup plus de choses que quand tu restes avec la même boîte, je trouve. Donc bon. Tiens, mais il me dit, yeah, you're right. Ouais, t'as raison, je devrais pas me prendre trop la tête. Mais oui, Nico. Oui, j'ai raison, il faut pas que tu prennes la race pour ça. Voilà. Ouais, tu vois, j'adore me poser là pour lire, parce qu'il y a plein de gens autour de moi, il y a plein de choses qui se passent. Et tu vois, là, il y a un super salon de coiffure, mais qui est hyper cher. C'est 35$ la coupe, alors t'as clair. Là, t'as le petit supermarché où je vais faire mes courses d'habitude. Et tu vois, t'as des gens qui mangent ici. Et c'est vraiment sympa, j'adore. J'adore pour lire en tout cas. Et surtout, il fait frais. Et c'est du luxe ici. The battery. 40 hours reading. 100 unreading. I charged it like one time since 3 weeks. It's awesome. How much was the $2.50? $2.50. I found $2 yesterday under the machine. Ah, je suis tellement content maintenant parce que je viens juste de finir de filmer ma vidéo et c'est une vidéo que j'avais essayé de filmer hier au McDo et tout s'était retourné contre moi, j'avais plus de batterie, j'arrivais pas à parler. Et aujourd'hui j'ai enfin pu réussir à trouver le temps de la filmer et vraiment préparer mon discours un peu selon les lois que j'avais lues dans le livre pour parler en public. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir bien réussi, d'avoir été à l'aise et ça fait vraiment plaisir parce que ça montre que ça rentre ou que du moins c'est quelque chose qu'on peut changer. C'est marrant mais on pense que c'est vrai que quand on regarde des vidéos ou quand peut-être que t'as vu, je sais pas, déjà peut-être que t'as un mentor et que tu l'as déjà vu parler directement en public, on pense qu'on est tous avec une capacité incroyable, une capacité, un don à parler en public et que toi tu peux pas y arriver parce que quand tu montes sur scène tu deviens tout rouge, tu sais plus quoi dire. Mais au final c'est pas vrai. Je pense que avec de l'entraînement on peut tous arriver à faire tout et n'importe quoi. Le talent c'est quelque chose qui joue au tout début, mais avec de l'entraînement, dans Naruto, c'était Lee qui disait ça. Je sais pas si tu suis Naruto, mais Lee c'est un mec qui peut pas utiliser tous les pouvoirs spéciaux magiques, tu sais, de clonage et tout ce que tu veux, il peut pas utiliser son chakra. Mais il dit que l'entraînement vient à bout de tout et que c'est ça qui... T'as des génies, mais t'as aussi... Les génies sont surpassés par ceux qui s'entraînent très très dur et c'est ça que j'adore, quoi. Ah, je suis content. Quand j'étais petit, mon père prenait toujours rhum raisin. Je trouvais ça dégueulasse. Maintenant, j'adore. Fucking hell, I cracked my pants. Shit. Ah. Bon, j'ai craqué mon froc en portant un frigo. Super.
Bon, aujourd'hui il nous est arrivé que des merdes avec Jérôme, mais vraiment que des merdes. On a fait une journée de 14h30, donc ce qui est vraiment énorme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un client a pas pu payer, on s'est gouré d'adresses, du coup on a eu une heure de retard. J'ai craqué mon futal. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Ah, c'est déjà pas mal, hein? Ouais. Non, il y a une autre merde aussi. Ouais, j'ai failli perdre mon appareil photo, enfin n'importe quoi. Et en fait, je demandais à Jérôme, mais tu sais quelle jour on est demain? En fait, on est vendredi 13 demain, donc débarras. Ouais.